J'espère que votre cellule vous plaira, professeur, parce que votre séjour risque d'être très long. Pas sûr, nous verrons ça. Non, non, non! Non, tiens, va y prendre ça, sale extraterrestre. Ah non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu m'éliminer, j'avais l'arme la plus puissante. Bonjour, Jerry. Ça va, mon vieux? Très bien, monsieur le président. Que me vaut le plaisir? Sommes-nous en situation de crise? De crise? Grâce au ciel, non. J'appelle sur la ligne rouge car c'est la seule qui ait l'option main libre. Tiens, regarde! Impressionnant. Merci. Jerry, tu ne veux pas faire une partie de pêche avec moi ce week-end? On en profitera pour parler de ton transfert dans les services présidentiels. Vous m'octroyez un poste à la Maison-Blanche? Exactement. Prends un avion et viens vite me rejoindre à Washington. Bien, à votre service. Oh, mais j'y pense encore un petit détail. On est redoutable dans la catégorie achat vestimentaire, pas vrai? Quelle équipe de choc! Ouais, on est venu, on a vu, on a vaincu, les bacs à sel ont été terrassés. On fait une petite pause? Ouais, d'accord, faisons une petite pause photo avant le deuxième assaut. Montrez-vous à votre avantage, surtout pas de grimaces. Bonjour, mesdemoiselles. Avez-vous fait bon voyage? Ah, super. Être aspiré par un conduit d'aération est le moyen de transport qu'on préfère. Déposez-moi tout de suite chez le coiffeur. Ça devra attendre. J'ai besoin de vous pour une mission d'une importance majeure. Le président et moi avons une partie de pêche. Une partie de pêche? Ça, c'est sûrement un code secret. Non, n'y voyez aucun mystère. Le président a un chalet au bord du lac. Il m'y a invité pour discuter d'un poste à la Maison-Blanche. J'ai peut-être les neurones en panne, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que vous alliez pêcher, une importante mission, et nous trois? Le président voulait trois de mes agents les plus sûrs pour veiller à la sécurité de sa fille Madison pendant son absence. On va faire du babysitting? En fait, c'est une façon de voir un peu élémentaire, mais cette mission est extrêmement importante pour moi. Bon, enfin, on sera à la Maison-Blanche et je doute qu'on doive se battre pour mettre une petite peste au lit. Absolument! Vous allez quand même nous donner des gadgets? Oui, les voici. Alors vous aurez les accessoires suivants. Le parapente portable à épaules rembourrées, la ceinture bungee à câble extensible, la bague zirconium à radio-balise et les grenades lance-filet. Bien, vous voilà équipés. On ne fait pas attendre la Maison-Blanche. Ça va? Téléphoner avant de débarquer. Sympa le bureau. Il est très rond. Mais non, regarde, il est ovale. Tu devrais revoir ta géométrie, Alex. Qu'on mette un cobra dans ma poche et qu'on me demande une allumette. Comment vas-tu, mon poussin? Très bien, merci, monsieur. Mon poussin? Je comprends pas. Moi non plus, je vois pas le rapport entre un cobra et une allumette. Vous pouvez disposer, Nussfield. Bien, patron. Monsieur le président, voici trois des meilleurs agents du Whoop. Je vous présente Sam, Clover et Alex. Salut, les filles! Papa! Et moi, je vous présente ma fille Madison et sa gouvernante, Madame Quivers. Bonjour. Mon père m'a dit que vous voyagez beaucoup pour sauver le monde. Alors je vous remercie de ce que vous faites pour nous. Oh, c'est rien. C'est si peu de choses. Merci. Nous vous laissons, jeune fille. Je me permets d'enlever Jerry car c'est la saison rêvée pour le goujon. Madame Quivers vous expliquera. Voici le programme à respecter pour l'après-midi de Madison. Il inclut son programme de loisirs, le programme de ses programmes. Tout y est consigné. Pourriez-vous rester une petite heure pour voir si nous nous en sortons? Désolée, c'est mon jour de congé, j'en profite. Et voilà, Maddy, on est seul. On attaque par le programme du déjeuner? Garde-les, tes programmes. J'ai pas envie de les suivre. Et je vais pas obéir à trois nièces qui débarquent d'une banlieue de Los Angeles. C'est la même petite fille que tout à l'heure ou elle vient de se transformer en esprit démoniaque tout à coup? Attention à ce que tu dis. On ne vient pas de banlieue, on habite Beverly Hills. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Suivez mes règles si vous voulez garder votre travail. Le mot d'ordre est fichez-moi la paix et je vous ficherai la paix, d'accord? C'est clair? Gentil.
Eh ben, je sens que ça va être une vraie petite partie de plaisir de s'en occuper jusqu'à ce soir. Non, arrête, Madison, on ne mange pas de glace avant le déjeuner. Oh, non. Bon, d'accord, prends-la. Je vais lui apprendre à se tenir, moi. Bah, peut-être que c'est nous qui devrions nous calmer un peu. Elle n'a que 11 ans. Franchement, si c'est ça, les enfants, j'enverrai les miens à l'école militaire juste après la maternelle. Ouvre, Madison! Ouvre à Tati Sam! Elle voudrait te dire deux mots. Excusez-moi, c'est la mauvaise porte. C'était à côté. Félicitations. Bien pensé, les programmes. Ouvre, Madison, chérie. Ouvre à Tati Sam. Elle veut juste te dire deux mots. Je vais me fâcher. Tu veux pas qu'on discute? Sois gentille. Y'en a assez. Ouvre immédiatement cette porte ou on l'enfonce. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Ah, désolée. Pas la peine de vous mettre en colère. Je voulais juste m'amuser. Je m'amuse pas très souvent, vous savez. C'est toujours Madison fait ci et Madison fait ça. Vous êtes pas à ma place. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes tombé dans le panneau de l'enfant malheureux. C'est nul. Quoi? J'y crois pas. Cette petite peste s'est payée notre tête. Ça va mal aller pour elle. Le manque de respect, ça mérite une grosse punition. Un problème, mesdemoiselles? Accès refusé. Coup sur la porte de la chambre. Accès refusé? Oh non. On pourrait entrer si on voulait. Eh bien, justement, on ne veut pas. Oh bah non, parce que... on se disait que Madison avait besoin de tranquillité. On va préparer son repas. La cuisine présidentielle. Bon, voyons ce qu'il y a dans ce placard. D'accord, je m'attendais pas exactement à ça. On pourrait peut-être faire des petits gâteaux. Oh, des petits gâteaux au chocolat, j'adore. Mais pour les offrir à Madison, il n'y a pas mieux pour faire la paix. Tu aimerais faire la paix avec ce monstre? Mais pourquoi? Cette petite a une vie si difficile. Tout ce qu'elle fait est réglé à l'avance. Des agents secrets la surveillent tout le temps. Même ses babysitters travaillent pour le gouvernement. D'accord, mais si elle nous fait une autre farce, j'écrabouille les gâteaux et je la barbouille avec. Madison, s'il te plaît, ouvre ta porte. Fait cuire d'excellents petits gâteaux et on voudrait se réconcilier. Ben, c'est réussi. Madison, qu'est-ce que tu as? Où est-elle passée? Fille du président ou pas, si tu nous joues encore la comédie... C'est monstrueux! Cet insecte la kidnappe! Voilà le plan. Faites diversion pour occuper l'araignée pendant que moi, je récupère Madison. Entendu. Allons-y. Activez vos parapentes portables. Rappelez-moi de militer pour que tous les bâtiments officiels aient des pelouses matelassées. Venez. Monsieur, approche, vite, faites comme si de rien n'était. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. Ah, c'est top. Mais merci quand même. On arrive trop tard. Rien, aucun indice. Aucun sens. À
incompréhensible. Pas de demande de rançon. Alors pourquoi enlever la fille du président? Pauvre petite Madison, regardez, sa seule distraction c'est Internet. Elle était sur un forum de discussion. Et bien sûr, voyons si... Pourquoi écrire une demande de rançon quand il suffit de... Monsieur le Président, j'irai droit au but. Si vous voulez revoir votre fille, il faut que le détenu portant le matricule 34-343, actuellement à la prison de haute sécurité du Maryland, soit au sommet du monument de Washington dans 2 heures exactement. Papa, s'il te plaît, vite! Oh! C'est ça, papa. Dépêche-toi. On peut demander à Nussfield d'avertir le président. Pas question, ou Jerry n'aura pas de promotion. C'est moi, agent Nussfield. Oui, une minute. Désolé, je n'attends pas. Le président est en ligne. Où est Madison? Elle est dans la salle de bain, mais... À 11 ans, on adore se maquiller en douce. Je vais le prendre. Monsieur le président, c'est Sam. Alors, sa mort? Si, sa mort. C'est la partie de pêche du siècle. Les seaux sont pleins. Enfin, le mien est rempli à ras-bord. Ma fille va bien? Dites-moi, j'espère qu'elle ne vous cause pas d'ennui. Vous plaisantez, non, elle... Elle va très bien. Quel ennui pourrait nous causer une enfant aussi délicieuse? C'est pas comme si on l'avait enlevée pour une rançon, pas vrai? Quoi? Rien. Profitez bien de votre week-end. Bonne pêche. Chef, on vous demande en bas. Une chose tombée du ciel s'est écrasée dans la bibliothèque. Vous, ne bougez pas. Promis, on reste là. Venez. Il faut retrouver Madison avant qu'il réalise qu'elle a disparu. Comment on va faire? Le ravisseur veut l'échanger contre un prisonnier. Et alors? Pas de problème. Sam, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? De quoi se déguiser? Une tenue qui fasse croire au ravisseur que l'une de nous est son prisonnier. C'est pas mal, ça, non? Pour un bal costumé, effectivement, c'est pas mal. Allez, viens, continue à chercher. Ils sont là, allons-y. Il fallait que ce soit en haut du monument, bien sûr. On pouvait pas échanger les prisonniers au rez-de-chaussée dans une boutique de souvenirs. Ça aurait été trop simple. Une seconde! La fille du président, où est-elle? Vous la trouverez à l'étage du dessus. Moi, je redescends tout de suite avec mon ami. Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est très mal parti pour toi. Il faut rejoindre Madison avant lui. Encore des escaliers à monter? Génial. C'était à deux doigts, on a eu de la chance. Couchez-vous. Il fut un temps où faire du babysitting était plus calme qu'aujourd'hui. On parle pas. En plus, on a perdu la petite. C'est pas si sûr. Quelque chose, Sam, je lâche. Je vais essayer, Clover. Accroche-toi. Oui. J'y arrive pas, il se balance. Ah, Alex. C'est bon, vite ta main, Sam. J'ai mis le zirconium à radio-balise sur le ravisseur pendant qu'on se battait dans l'escalier. On n'a plus qu'à suivre le signal. Il se dirige vers le nord de Pennsylvania Avenue. Allons-y. C'est là. Le traceur bip comme un malade. Bon, à trois, on défonce la porte. Une, deux, trois. Pardon, mais... Madame Quivers, que faites-vous ici? On a mieux à faire que la conversation, Clover. Mettons-la à l'abri avant que le ravisseur n'arrive. Je pense qu'il est trop tard pour ça, ma chère. Parce que le ravisseur, en fait, c'est moi. Ah!
Amenez Madison. C'était facile pour vous, un enlèvement à la Maison Blanche. Vous étiez déjà sur place. En revanche, le rapport avec le détenu m'échappe. Le prétendu savant fou incarcéré au pénitencier se trouve être mon mari. Votre mari? Oui, et je n'ai pas envie que le père de mes enfants passe le reste de sa vie dans une cellule. Pour tout vous dire, Madame Quiver, c'est une couverture. Je suis un membre du fameux gang Svetlander. C'était le groupe de contre-espionnage qui menaçait de détruire la planète en truffant d'explosifs les lignes de faille qui séparent les 5 continents. Exactement. Nous étions à un cheveu d'avoir le monde à notre merci en le prenant tout entier en otage. Ça fait mal d'échouer. Mais votre mari fait à peine la moitié de votre taille. Ma chère, vous savez, on ne compte pas lorsqu'on aime. Oh, qu'est-ce que c'est touchant. Malheureusement, votre intervention m'a contrainte à modifier mon plan et à contacter directement le président. Robby, Bobby, allez-y, activez la cage. Je regrette, mais elles m'y ont vraiment obligée. Ah, j'allais oublier. Merci de m'avoir remplacée, ça m'a bien aidée. J'ai passé une merveilleuse journée. Oh, génial, on va être transformés en gruyère. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, cette cage nous est tombée dessus du plafond, non? Oui, et alors, au cas où la chose t'aurait échappé, elle est trop lourde pour qu'on arrive à la soulever. On n'a pas assez de force, ça c'est sûr, mais le câble bungee, je pense que si. Vite, faites comme moi sur les autres côtés. Visez très haut avec les boucles. Attention, prête, feu! Vite, écartez-vous! T'es forte en physique, mais bravo pour les travaux pratiques. Ouais, merci. Mais comment arriver au lac avant Madame Quivers? On devrait peut-être appeler Jerry. Parce que tu aimerais que le président apprenne qu'on n'a pas été à la hauteur de notre mission? Je crois que j'ai une idée. Bravo, prise exceptionnelle. Elle fera date, c'est une espèce très rare. C'est au moins du 44, mon vieux. Monsieur, peut-être pourrions-nous nous arrêter là. Et aussi téléphoner à la prison du Maryland pour faire libérer le détenu 34-343. Que faites-vous là? Je vous croyais en congé aujourd'hui, Madame Quivers. Oh. Pourquoi venir nous rendre visite? Si je suis venue, monsieur le président, c'est pour vous réclamer la rançon de votre chère fille. Alors, appelez la prison où Madison finira au fond du lac. Mais enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Contentez-vous de prendre votre téléphone cellulaire et appelez tout de suite. Exécution! Vraiment, je suis confus, monsieur. Mes agents auraient dû empêcher cela. Allô? C'est le président. Passez-moi le surveillant-chef Jenkins à la prison du Maryland. C'est urgent. Jenkins, écoutez. Je veux que... Ouais, éteins. Ah ah. Oh non, pas. À nous deux, Robby ou Bobby, comme tu veux. Joli travail d'équipe, merci Sam. Il va falloir réviser vos cours de navigation. Oh oh, je crois que je préfère piloter. Bravo, Tony, coup de moulinette, Jerry. Merci, mais sans vanter, je pense que c'est moi qui ai eu la plus grosse pièce, président. Bien, monsieur le président. Très bien, ma fille et moi sommes frais comme des gardons, grâce aux Spies et à ce bon vieux Jerry. Si je puis me permettre, que diriez-vous de rentrer à la Maison Blanche pour déguster ce que vous avez pêché? Quel honneur, merci beaucoup, hein? Mais franchement, ce n'était pas la peine. Ce n'est pas mon avis.
Quand on risque sa vie pour ma famille, on a droit à un coup de chapeau. Je veux que ça se sache, personne n'y échappe. Je voudrais m'excuser pour la façon dont je me suis comportée avant. Je me suis trompée sur vous, les filles. Vous êtes géniales. Merci. T'es super aussi, je trouve. Et au fait, monsieur le président, à propos de mon transfert dans un de vos services... Oh, je sais où tu veux en venir, Jerry. Et tu as raison. C'est vrai, priver le Whoop de ta présence serait une erreur pour la sécurité de tous. C'est pourquoi j'accepte le retrait de ta candidature. Vous y renoncez. Merci, monsieur. Merci infiniment. Il faut que je vous quitte. Maddy et moi devons chercher une nouvelle gouvernante. Je suis navrée. Je sais combien vous teniez à ce poste, Jerry. On est désolés, mais on est ravis de vous garder comme patron aussi. Les filles, après vous avoir vu à l'œuvre, je me félicite de ne pas céder ma place à un autre. Jerry, on vous adore.